Ah, bonjour, je viens vous présenter l'horoscope lunaire. À chaque fois, ça coupe, donc maintenant j'attends pour dire bonjour. Bonjour donc, qu'est-ce qui se passe? On va regarder ensemble l'horoscope lunaire de la semaine qui démarre ce lundi 12 février 2024. La Lune, on le sait, accomplit un cycle de révolution à peu près en 28 jours et elle fait donc deux signes, 13 degrés par jour, deux signes quelques heures tous les jours, tac tac, elle fait son petit tour. Et donc, au cours d'une semaine, elle va naviguer sur à peu près quatre secteurs du ciel et à chaque fois elle va former de la conjonction quand c'est le secteur occupé et des aspects tous les autres. Elle tourne très vite. Et donc, son cycle nous permet d'anticiper nos humeurs avec une rapidité assez étonnante quand on suit ces mécanismes. Avec subtilité, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Et puis j'ai plein de trucs à vous raconter cette semaine, comme toutes les semaines, mais là j'ai des trucs particuliers. Donc la semaine démarre avec la présence de la Lune dans le secteur des Poissons, lundi matin jusqu'à très précisément 13h27 en temps général, ça fait 14h30. Donc lundi jusqu'à 14h30, pour faire simple, la Lune sera en Poisson. Lorsqu'elle est en Poisson, elle va rejoindre une planète qui y est depuis un bout de temps maintenant. Elle va réaliser, vue de la Terre, ce qu'on appelle une conjonction entre la Lune qui va être dans le dernier décan des Poissons et qui va se connecter avec derrière elle Neptune. On appelle ça une conjonction Lune-Neptune. Or, Lune-Neptune, c'est très précisément le ressenti, l'intuition avec l'inconscient collectif, Neptune. C'est très très intéressant ces phases-là, Lune-Neptune. Donc c'est riche, hein. Alors il y a des mécanismes parfois qui sont dans l'excès, comme Baudelaire et Rimbaud. Alors eux c'était vraiment des carrés, des tensions, Lune-Neptune. Mais là c'est une conjonction et elle veut donc beaucoup de bien en matière d'intuition. J'arrive, hein, j'accouche du raisonnement. Elle veut beaucoup de bien à mes poissons, mes scorpions, signe d'eau, mes cancers, signe d'eau, mes taureaux aussi, mes capricornes, enfin. Vous cette conjonction Lune-Neptune lundi jusqu'à 14h30, elle est protectrice, elle apporte beaucoup d'intuition. Donc tout ce que vous voyez passer lundi qui fait appel à votre intelligence émotionnelle, c'est bon, très bon. Attention en revanche à l'hypersensibilité si vous êtes du troisième décan Gémeaux, troisième décan Sagittaire, troisième décan Vierge. Lundi jusqu'à 14h30, prenez les choses pas trop à cœur, hein, on prend la bonne distance, pas de décision hâtive. Rien de bien grave, c'est très rapide. À partir de lundi, donc 12 à 14h30, la Lune va rentrer dans le signe du Bélier. Donc ce qu'elle va perdre en intuition, elle va le gagner en tonicité, en énergie, en capacité à se prendre par la main, à retrousser les manches, hein, signe actif s'il en est le Bélier. Elle va y rester, elle va y persister jusqu'à jeudi 15h30 en temps sidéral, c'est-à-dire 16h, quoi, en gros, jusqu'à jeudi 16h. Donc de lundi 14h30 à jeudi 16h, la Lune sera en Bélier. Donc très tonique cette Lune en Bélier. Elle va réactiver pour le coup des aspects fluides. Pourquoi? Parce que vous avez en ce moment le Soleil qui est en Verseau, donc qui est à 60 degrés, donc c'est plutôt harmonieux. Les angles Soleil et Lune, c'est plutôt équilibrant. Un sextile aussi 60 degrés que Mercure, qui est aussi en Verseau, donc c'est pas mal, hein. L'atmosphère est plutôt dynamique, créative, communicante. Donc très bon. Donc je vous ai dit de lundi 14h30 jusqu'à jeudi 16h. Très bon pour qui? Pour mes Béliers, pour mes Lions, pour mes Sagittaires. Vous trois pour mes signes de feu, c'est très bon au niveau du moral, mais également à partir du moment où une planète est en bélier, elle veut du bien à mes verseaux, à mes gémeaux, par le jeu des sextiles. Très intéressant au niveau de la stimulation, de l'ambiance, de l'humeur que vous pouvez créer, initialiser. En général, vous êtes assez bon, vous cinq, concernant les notions que je viens d'évoquer. Globalement, bien évidemment. Après, chacun est différent. À partir de jeudi, cette lune va passer donc en taureau. Jeudi 16h jusqu'à vendredi 19h41 en temps sidéral, ça fait 20h40 en gros. Jeudi, jusqu'à vendredi, pardon. Jeudi 14, 16h, vendredi 20h40, voilà le créneau là, la Lune sera en taureau. Et lorsqu'elle est en taureau, elle est intéressante pour qui? Elle est intéressante déjà. Lorsqu'elle sera en taureau, elle va rentrer en conjonction, pareil comme Neptune tout à l'heure, avec quelqu'un qui est en taureau depuis un bout de temps maintenant, c'est Jupiter, planète de l'optimisme, du positif et de la chance. Donc là, lorsqu'on arrive jeudi, fin de journée et jusqu'à vendredi, elle va successivement se mettre dans l'axe, cette Lune de Jupiter et dans l'axe d'Uranus dans la foulée. Jupiter, c'est le positif, la chance et l'optimisme. Uranus, c'est la créativité, l'originalité, le besoin de se démarquer, d'ouvrir le champ de conscience, d'avoir des idées nouvelles. Donc c'est pas mal, hein. Donc voilà le climat qui va se révéler positif donc de jeudi à vendredi soir. Pour qui? Pour mes taureaux, pour mes vierges, pour mes capricornes et donc
à partir du moment où une planète est en taureau, elle veut du bien à mes cancers et à mes poissons, toujours par le jeu des sextiles. Vous cinq, très très intéressant, au niveau d'une disposition à faire émerger vos ressentis, vous connaissez l'équation, hein. C'est un concept qui frôle la psychanalyse, hein. Remonter les émotions en conscient en les formulant par des mots, reste avant tout dans mon esprit un angle de fonctionnement formidablement soulageant. Maintenant, il faut dire les choses avec suffisamment de finesse et de subtilité pour entrer dans l'oreille des interlocuteurs en réduisant les aspérités si on veut que ça rentre au-delà d'une fois. Hein. Si on faut soigner les oreilles des interlocuteurs, sinon après ça coince, l'autre en face à un bloco, s'il n'entend plus rien, on y va en souplesse. Voilà, c'est l'idée. Hein. Voilà. Les planètes en signe de Terre, en général, elles aiment bien expliquer les choses avec calme. C'est ce que je vous encourage à faire si vous êtes dans ces sillages-là. Ça, c'est à partir de jusqu'à vendredi 20h40, disais-je. À partir de vendredi 15h40, la Lune va me poser en fin de journée un. En fait, elle va rentrer en Gémeaux. Voilà, vendredi, la Lune rentre en Gémeaux à 20h40, jusqu'à lundi suivant, lundi 19, 4h30 du matin à peu près. Lorsqu'elle sera en Gémeaux, très bon, très intéressant. Il y a à la fois un trigone avec le Soleil et Mercure, là, qui seront en Verseau, ou qui vont sortir tout doucement, non, qui sont encore en Verseau, qui vont persister, mais en même temps, un carré avec Saturne et un carré avec Neptune. Alors, quand la Lune est en Gémeaux, carré de Saturne, vendredi soir, samedi, tout ce qui est hypersensibilité, le fait de se replier, le fait de ne pas faire confiance dans ses émotions, le fait de retenir son affect, hein, carré Lune-Saturne, voilà. Pour mes Gémeaux, mes Sagittaires, mes Vierges et mes Poissons, c'est très passager, hein, donc si on a des réunions de famille, on évite de prendre les choses trop à cœur, en fait c'est ça, la réceptivité, la Lune reçoit. Le Soleil, Mars et Mai, hein, la Lune et Vénus réceptionnent en quelque sorte. Il y a les planètes actives et les planètes absorbantes. Hein, voilà, il y a les planètes sèches et des planètes humides, des planètes chaudes, des planètes froides. Enfin, tout, hyper intéressant quand on s'intéresse au truc et qu'on creuse plus en détail. Je vous ferai ça une autre fois. Voilà, c'est dit. Donc, je voulais vous parler des aspects de la Lune parce que je vais revenir sur un point très précis qui va se réaliser en cours de semaine. Vous voyez, quand la Lune va rentrer en tout début taureau, ça va se passer jeudi en début d'après-midi. Hein, jeudi début d'après-midi, la Lune va rentrer en début taureau. Elle va réactiver un carré avec Pluton. Voilà, bon, pour l'anecdote. Et Pluton, en ce moment, il est en pleine remise en question depuis qu'il est rentré en Verseau. Il nous secoue tous, là. Hein. On voit le besoin de nous libérer des contraintes, des poids, tout ce qui nous étouffe, hein, que ce soit, c'est sociétal, hein. La portée de Pluton qui rentre en Verseau, il était en Capricorne, lourdeur, etc. Il rentre en Verseau, on se libère, on se soulage, on a besoin d'autonomie, moins de contraintes. Voilà. C'est le courant vers lequel on tend. Donc j'ai jeudi, je vous disais, en début d'après-midi, la Lune va former un carré avec Pluton. Or, la Lune au carré de Pluton, ou dès qu'il y a une influence contrariante entre la Lune, la sensibilité Pluton, qui est quand même le cœur archaïque de nos angoisses profondes, sous la forme d'un carré, c'est une demi-opposition. Pour certains, ça peut créer un petit point de sensibilité. Alors, si elle est tout début taureau, attention mes débuts taureau, attention mes débuts verso, attention mes débuts lion, et bien évidemment, attention mes débuts scorpion. Hein. Mes lions, en ce moment, vous en prenez un peu, hein, c'est lourd, là, pendant quelques jours. Hein, il y a des planètes en verso, il y a des planètes en taureau, tout ça, ça forme des oppositions, des carrés. Je ne parle pas beaucoup de mes lions, parce que vous êtes un peu dans la zone sensible, tout simplement. C'est très rapide, c'est passager, mais là, il faut raison garder, lever le pied, être détendu, zen, on reporte à plus tard tous les sujets de friction, on laisse passer l'orage, ça se passera très bien, il n'y a rien de grave, mais quand même, vous avez 5 planètes en opposition, 2 en carré, ça fait 7 sur 10, c'est un peu lourd, hein. Donc si vous êtes un peu fatigué, tout ça, c'est normal, c'est passager. Voilà, donc les aspects Lune-Pluton, disais-je, qui est un peu l'angle sensible de cette semaine concernant les aspects de la Lune, engendre souvent ce que j'appelle la trilogie des appréhensions fondamentales. Alors pour faire simple, en gros, le premier des ressentis qu'on a tous, hein, vous vous souvenez des besoins construits à travers la pyramide des besoins d'Abraham Maslow, hein, les pyramides des besoins, on l'en fait vite fait, c'est 5 séquences d'évolution de l'humain, hein, les besoins fondamentaux, la sécurité, la socialisation, le self-estime et l'autoréalisation. Et bien évidemment, la Lune réveille nos peurs les plus archaïques et qui font écho aux besoins fondamentaux. Et en général, lorsqu'on a une appréhension d'une situation, quelle qu'elle soit, on fait émerger de façon prioritaire. Il y a mille façons de réagir face à nos appréhensions. Les trois grands courants prioritaires sont la paralysie, l'agressivité et la fuite. Très simple. On a peur, on réagit sur ce mood-là, sur ces trois séquences
possible. Si on se replie dans une dynamique d'introspection, de repli, etc., de fermeture, attention, ça ouvre une petite fenêtre qui est celle des déprimes. Il faut se méfier. Hein. Moi, je suis toujours très prudent concernant les phases, les mises en situation où on est en repli. Il faut que ça soit en short, en court terme. Qu'on se replie, c'est bien. Qu'on se replie longtemps, ça l'est moins. Tout bête. Pareil, réaction face à une appréhension, on se défend. Voilà, on réagit en contre. Réagir en contre, si c'est en très court terme, ça fonctionne très bien. Si on sent que c'est une tension qui risque de s'envenimer, de se persister, de se poursuivre, c'est toxique. Voilà, parce que ça peut créer un peu d'appréhension exagérée, et c'est là où on trouve tous les paranos, en gros. Hein, voilà, il faut bien avoir ça en tête quand même. Jamais de conflit qui perdure. Et enfin, l'autre attitude quand on est confronté à une situation de danger, c'est qu'on débranche et on se sauve. Hein, alors, c'est bien, c'est la fuite en avant. C'est la moins mauvaise des stratégies de la fuite en avant. Plutôt que l'appréhension et l'agressivité, hein, la fuite en avant, je la préfère, c'est évident. Hein. Mais attention à ne pas se perdre dans des flous. On s'en va, on change tout, on radicalise tout, et derrière, c'est le flou artistique. Donc ça se programme, ça se prévoit, ça t'anticipe. Donc finalement, comment gérer une appréhension et une peur? C'est en jouant sur les trois ressorts. On est confronté à une zone d'inquiétude. Dans un premier temps, on fiche pour observer ce à quoi on est confronté. On observe. Dans un deuxième temps, on circonscrit la problématique en y faisant face. On résout, on passe à autre chose et tout va bien. On résout pas, on débranche et on se libère du truc en prenant la distance. Sur le papier, ça marche très bien. Après, à chacun de trouver la meilleure méthode d'y parvenir. Mais j'aime bien avoir ça en tête, ces systèmes-là, puis j'aime bien vous les partager. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Hein, les émotions, les appréhensions et tout ce qui nous touche sur un plan émotionnel, c'est le ressort de la Lune. Je voudrais citer des citations, je vais vous retraduire des citations que vous m'avez fait parvenir, j'adore vos citations, j'adore, ça me fait vraiment vraiment plaisir, en plus je repique dedans, hein, je suis content. Donc la première citation, elle est de Sénèque. Sénèque nous a légué dans son héritage philosophique un tas de petites choses hyper intéressantes sur lesquelles on peut piocher, et celle à laquelle je vais faire référence maintenant, voilà ce que ça donne. Pour être heureux, ah, c'est quand même un enjeu, être heureux c'est quand même notre truc, hein. Pour être heureux, il faut éliminer deux choses. La peur d'un mal futur et le souvenir d'un mal passé. Ah, je vous la refais celle-là. Pour être heureux, dit Sénèque, il faut éliminer deux choses. La peur d'un mal futur et le souvenir d'un mal passé. Elle est pas mal, elle est intéressante, elle fait réfléchir celle-là. Et puis une autre, hein, de Romain Gary, c'est plus léger, mais j'aime beaucoup Romain Gary, hein, pour l'anecdote, voilà ce qu'il nous a légué, voilà ce qu'il écrivait. Il ne faut pas avoir peur du bonheur. Parce que c'est juste un bon moment à passer. Voilà, il ne faut pas avoir peur du bonheur, parce que c'est juste un bon moment à passer. Donc il faut me les puiser, tous ces petits moments-là. Il faut bien me les calibrer, pas me les sous-estimer. Donc, je suis très sensible au petit bonheur de la vie de tous les jours, aux petits échanges qui font du bien, une bonne action chaque jour, une gentillesse chaque jour. Ça marche très bien. Hein. Et l'association de toutes ces petites choses, ben, ça fait que globalement, on trouve un bon équilibre. Voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous cette semaine. Mon horoscope de la Lune, et puis il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc vous avez vu, je reboucle sur mes mécanismes lunaires. Vous vous souvenez de mon mode de fonctionnement, parce qu'on me pose souvent la question, s'il y a une influence qui s'exerce sur l'ascendant. Moi, mon système de pensée, j'ai une ossature structurelle pour définir un profil, qui est une sorte de trio composé de l'ascendant, du soleil et de la lune. Ça, c'est l'infrastructure osseuse. L'ascendant, soleil et lune. Ces trois-là, c'est l'infrastructure osseuse. Tout le reste, ce sont les artistes, les musiciens de l'orchestre qui jouent leur partition en fonction de leur talent. Mais cette ossature-là, elle est structurelle. L'ascendant, et dès qu'il y a une influence sur l'ascendant, ça va s'exercer sur la manière dont on gère notre confrontation au monde extérieur, notre visibilité sociale. Je vous en prie, bonjour, après vous, je n'en ferai rien. On peut le raffiner à l'infini, c'est toujours extrêmement agréable. Mais l'ascendant, c'est vraiment la confrontation aux autres, extérieure. Hein, le monde, voilà, comme ça, qu'on rencontre, qu'on croise. La condition solaire, le soleil de l'horoscope, concerne le secteur de nos enjeux conscients, nos objectifs de réalisation face à la vie. Hein, je veux être artiste, je veux faire le tour du monde, je veux me marier, je veux... Voilà. Les gros enjeux, c'est solaire. Hein.
L'ascendant, c'est le paraître, ou du moins c'est les codes sociaux pour s'acclimater et pour gérer la confrontation aux autres. Le soleil, c'est moi, je veux en conscience. Et enfin, la lune, hein, dès que ça touche la lune, ça concerne nos émotions, nos ressentis, notre sensibilité, notre porosité émotionnelle et affective, la façon dont on se comporte au quotidien, la façon dont on vibre, dont on ressent les choses. Vous voyez, bon, chaque influence, quelle que soit l'influence, va réveiller en fonction de qui est concerné, une séquence ou une autre. C'est pour ça que parfois il y a des aspects convergents et des aspects contradictoires. On peut être formidablement sociable à l'extérieur et puis être profondément inquiet à l'intérieur et réciproquement. Il n'y a pas de règle. C'est tout l'intérêt d'essayer d'ajuster et de gérer ces petites finesses-là. Voilà ce que je voulais vous raconter cette semaine. Merci pour la gentillesse de vos likes, vos gentils commentaires, vos messages, vos citations, tout ce qui me fait plaisir. À très vite, à la semaine prochaine. Merci.